C'est en toi que nous croyons et nous savons que tu es dans ta parole. Tu vexes pour l'accomplir et l'exécuter. Tu as dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Vous me trouverez, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit des maux et des infirmités. Tu n'as pas encore changé, tu es encore le même aujourd'hui. Et tu seras le même demain, et éternellement tu resteras le même. Nous voulons te salmodier. Merci pour cette retraite qui démarre maintenant, Jésus. Et Yeshua El Mashiach, de conduire toutes choses, de nous bénir, de nous assister, de nous décharger de tous nos fardeaux. Car du week-end chargé, fatigué, venez à moi, je vous donnerai du repos. Nous ne sommes pas venus, n'est-ce pas, chercher une personne ici à Peniel. Nos regards sont fixés sur toi. Parce que Peniel veut dire la présence de Dieu. Nous sommes dans ta présence. Nous comptons sur toi, Elohim. Nous comptons sur ta puissance, Yahweh, le Dieu d'Israël. Et nous savons que tu es capable de nous délivrer, de nous restaurer, de nous guérir, de nous bénir. Nous savons que tu es tout puissant. Et nous croyons à ta suprématie. Nous croyons à ta puissance. Nous savons que tu es Dieu. À toi la gloire. Merci de nous conduire. Toi qui es l'alpha et l'oméga.
Conduis ce moment, conduis cette retraite. Bénis-nous, Seigneur, et démontre-nous A plus B que tu es vivant. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ. Nous mettons sous nos pieds les esprits maléfiques. Les esprits maléfiques dans le nom de Jésus-Christ. Le pouvoir de la sorcellerie est détruit au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez plus pouvoir, autorité. Si c'est personne que vous tenez captif ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces lieux maintenant plongés dans le sang de l'agneau est maintenant sous la haute protection de l'Éternel. Merci de nous bénir. Au nom de Jésus que j'ai prié, on dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? On acclame. Salut tous dans le nom de Jésus. La Bible dit, déclare de ne pas mépriser les faibles commencements. Ne méprisez pas les faibles commencements. Aujourd'hui, effectivement, le 11, le mercredi 11 juin, et nous avons décidé, chaque 15, nous avons des rencontres qui sont des retraites spirituelles, nous retirer pour chercher la face de Dieu. Il faut que Dieu change ton identité. Il faut que Dieu change ton histoire. Il faut que Dieu confronte tes ennemis. Je pense que c'est ce qui t'a amené ici. Il y a une attitude que tu dois adopter. Il faut oublier tout. Il faut avoir les regards fixés sur lui. Il ne faut pas te laisser distraire. Tout dépendra de toi. Tu veux un miracle, tout dépend de toi. Dieu est prêt à opérer le miracle. Dieu est prêt à te guérir. Dieu est prêt à te délivrer. Dieu est prêt à te restaurer. C'est la manière importante. La manière, c'est à partir de cette manière que Dieu pourra se révéler à toi. Amen. Tout dépend de toi. Sinon, celui qui est l'auteur du miracle. Il dit, vous m'invoquerez, je vous répondrai. Pourquoi Dieu t'invoque, Dieu, et puis Dieu les répond, et toi, Dieu ne réponds pas. C'est la manière. C'est la manière de chercher. Amen. Si on le cherche comme on cherche l'argent, il ne regarde pas l'environnement. Il ne regarde pas l'endroit, non. C'est comme ça on cherche Dieu. Il faut te dire, tu es venu le chercher ici. Il t'en fout du comportement des gens. De tout ce qu'ils vont dire, c'est ce qu'ils vont entendre. Tu t'en fous même ici, non. Tu es là pour quelque chose de bien précis. Chercher la force de Dieu. L'invoquer et le trouver. Amen. Il dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Je vous assure. Quand tu le cherches, tu te laisses trouver. Lorsque Jacob avait un problème. Il avait un problème, Jacob. Et le jour que Dieu, il a décidé de chercher Dieu, l'ange de l'Éternel est descendu. Il y a une lutte entre lui et l'ange. Et quand vous expliquez un peu l'ange, l'ange est un esprit. Et l'être humain ne peut pas faire un ange. Il y avait une lutte. C'était une lutte. Parce qu'il faut que Dieu change ton identité. Il y a une identité que les démons et la sorcellerie t'ont donné. Ils ont changé ton histoire. Une nuit, ils ont changé beaucoup de choses. Et tu ne comprends plus rien. C'est pour ça qu'il faut discuter avec lui. Parce que c'est lui qui est le réparateur des brèches. C'est lui qui est le réparateur de l'être humain. Tu es comme au garage. Il faudrait que ton cœur, tu l'exposes à Dieu. Tu n'es pas venu ici pour regarder le centre. Tu n'es pas venu ici pour le tourisme. Tu es venu parce que tu as un besoin. Tu es venu le chercher. Et si tu le cherches vraiment, il dit, je me laisserai trouver. Cherche. Si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est ton cœur que Dieu regardera pour te délivrer. Amen. Alléluia. Si tu es vraiment venu chercher Dieu, il se laissera trouver. Ton miracle sera rapide et comme ça. Nous sommes à une retraite. Mon souhait, c'est que Dieu opère vos miracles. Mon souhait, c'est que Yeshua, qu'on appelle Jésus, parce qu'en hébreu, c'est Yeshua. La lettre J n'existe pas.
dans l'alphabet hébraïque. On dit Yeshua. El Mashiach, se révèle à vous. Et qu'il vous délivre. Je vous assure qu'il est puissant. Moi-même, je suis un témoignage. J'étais envoûté. J'avais une maladie mystique. Mes poumons étaient infectés. Prêt à mourir. J'étais si séchoir. Les sorciers avaient déjà brisé les bananes. Ils étaient prêts à me manger. Elle dit, j'avais le chibouya et puis banane brisée. Et puis Jésus-Christ m'a délivré. Amen. Alléluia. Moi je crois ta délivrance. Parce que je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Amen. Nous sommes à une retraite, frère. Ça vient de démarrer. Et nous serons là jusqu'à dimanche en train de chercher la face de Dieu. Il faut le chercher. Il faut être déterminé. Dis à Jésus véritablement que tu comptes sur lui. Tu comptes sur lui. Et tes regards sont fixés sur lui. Et tu as su qu'il ne pourra pas te décevoir. Moi je sais ce qu'il m'a dit. Que je crois que pendant ces périodes, pendant ces jours, nous allons voir des miracles extraordinaires, des choses pathétiques. Parce qu'il est Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu t'aime. Dis encore à quelqu'un, Dieu t'aime. Amen. Pourquoi c'est froid? Je ne te sens pas. Il faut que vous marchiez cette semaine. Amen. Nous sommes là pour les miracles. J'ai dit à Jésus, il y a des miracles pathétiques. Il faut qu'il y ait des miracles. Dieu va opérer ton miracle. La situation que tu vis n'est rien devant Dieu. La seule chose que Dieu te demande, c'est la foi. C'est tout. Il faut changer de manière de voir. Si tu as envoyé quelqu'un, il faut le voir guéri. Amen. 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 Il est là, tout est ta main, il est ta prunelle. Tout dépend de toi. Il y a une histoire dans la Bible. Un monsieur qu'on appelle Ézéchias. Voilà comme Ézéchias. Qui a cherché la face de Dieu. Il était malade. Il avait une plaie au pied. Qui s'est transformé en cancer. Il priait l'Éternel, le roi Ézéchias. Et un matin, débarque le prophète Ésaïe, l'un des plus grands prophètes qui a connu Israël. Vous savez qu'un prophète, c'est celui qui dit des choses et qui s'arrive. Donc il quitte dans les montagnes, parce que les prophètes vivaient dans les montagnes, dans les grottes. Il débarque dans la maison d'Ézéchias, le roi. Il dit même pas bonsoir. Il dit toi et moi n'avait pas trop le côté. J'ai un message juste une t'apporter. Dieu dit, il est actuellement 18h. À 6h tu es mort. Ainsi parle l'Éternel. Celui qui a dit ça, c'est pas moi. Et puis il va faire. Comme il l'a dit, il va faire. Donc bonsoir monsieur. Ça c'est pas négocié. Moi je suis un porte-parole. Voici la parole de Dieu. Tu as crié, tu as gêné. Dieu dit tu vas mourir. Alors faut chercher l'héritier aujourd'hui. Le plat que tu aimes là, faut manger. Et c'est toi qui as crié. Maou. Yagabo, j'ai adoré. Dis-toi.
Ézéchias dit moi. Ézéchias le Amien. Toi, Esaïe. Moi, Esaïe.